de tout donner. Il y avait sans doute plus de monde à Santiago Bernabéu pour Kaka, mais pas sûr qu'il y ait eu autant d'ambiance qu'à Mayol pour le premier entraînement du RCT version 2009-2010. Wilkinson en a même perdu son anglais. C'était fantastique. Une ambiance très unique. Beaucoup d'énergie, beaucoup de son, oui. Une chanson, les supporters ici, je pense qu'ils sont fantastiques. Ils sont une grande aide pour l'équipe. Et pour moi, c'est une expérience incroyable. Et j'espère que ça sera une saison mémorable et fantastique aussi avec les supporters. Si Pierre Mignoni, enfant du pays, le savait déjà, les nouveaux ont dès leur premier entraînement pu mesurer la ferveur du peuple toulonnais. Tout juste, le président pouvait-il encore penser au transfert raté d'un cheveu de Juan Martín Hernández. Et j'ai beaucoup de regrets, j'ai signé Hernández, quoi. Et mardi matin, quand je me réveille, j'ai des coups de fil de journalistes qui me disent « bravo, c'est annoncé ». Donc il y a dû y avoir des indiscrétions, puis il avait signé. Puis il y a eu des éléments qui ont fait que... Et voilà, que ça n'a pas pu se faire. Bien décidé à faire mieux que la saison dernière, le rugby club toulonnais sait depuis longtemps déjà pouvoir compter sur un énorme soutien populaire. Mais il faut bien plus que cela pour gagner des matchs. Réussir par exemple à construire une véritable équipe en un peu plus d'un mois, c'est le challenge qui attend désormais Philippe Saint-André.